Pour les remises de trophées des écoles de cyclisme. Non, je pense ça. Voilà, donc. Alors, pour les pré-licenciés, donc, il nous faut Arthur Flamand, premier, donc, dans l'épreuve pré-licenciée. Il est où, Arthur ? Le deuxième, c'est une demoiselle, Louise Letrou, c'est ça ? Merci. Et la troisième, une demoiselle également, Jessie Devriez. Non, non, c'est un garçon ! Allez, regardez-les. Alors, retour. Oui, bah moi je rentre ce soir. Oui, allez. Voilà. Allez, monsieur. Dis, monsieur Canon, je sais pas si vous, tout à l'heure j'ai fait une allusion. Il a franchi la ligne de la première course. Il s'appelle Arthur Flamand. C'est pas la première fois qu'un Flamand gagne un Roubaix. Hein. Voilà. Arthur, donc. Non. Demande ce qui lui arrive. Remettez les lunettes, il y a un souci à ce niveau. Louise Letrou, donc, qui reçoit. Non, remettez les lunettes. La gerbe de deuxième. Et la coupe. Il a un problème, il a été opéré. Et Jessie Devriez. Récompensé également. Maintenant, ils vont se mettre ici. Clément Lucas, donc, quatrième, récompense également. Allez. Voilà, Clément Lucas. Ils ont déjà pris l'habitude des champions. Hein. Ah oui, là. Et l'autre, croit qu'il fait poids et alter. Hein. Ah, tu peux reposer ton pavé, laisse pas tomber. Et tu le mettras bien en évidence à côté de tes trophées en espérant qu'il y en aura nombreux. Alors, on va passer à la catégorie poussin, c'est ça ? Donc, Florian Carpentier. Richard, parle-le. Alors, le coureur d'Aguilly-sur-Somme. C'est trois podiums, quand même. On va demander à Gougochon, également de Aguilly-sur-Somme, il est là. Il y a eu son pas,